Je vous assure, Dieu nous t'aide. Si vous êtes né de nouveau, vous êtes aussi la postérité d'Abraham. Si vous avez la foi en Jésus-Christ, vous êtes fils d'Abraham. Voilà pourquoi, si tu es dans cette postérité, en ce moment-là, regardez quand Israël était dans le désert. Israël était mordu par les serpents. Et beaucoup étaient en train de mourir. Or, dans cette postérité en Christ, nous ne serons plus mordus en tant que terre. Nous marcherons sur les serpents. Nous en Christ, donc, la postérité d'Abraham, les enfants qui devaient sortir de ça, c'est aussi les chrétiens. Et Pierre nous dit dans 1 Pierre chapitre 3, verset 6, il dit comme Sarah qui obéissait à Abraham. 1 Pierre chapitre 3, verset 6. Comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Il dit, c'est elle que vous êtes devenus les filles. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Donc toutes les sœurs chrétiennes sont les filles de Sarah. Sûr par la foi. Est-ce qu'on parle de la même chose? C'est elle que vous êtes devenus les filles. Donc, en faisant ce qui est bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. Et j'aimerais nous rappeler ce matin. Dieu est capable. L'Éternel est capable. De rajeunir. De renouveler. Ce qui a vie. Est-ce qu'on va parler de Seigneur? Oui, si tu as la foi, Dieu est capable de te faire rajeunir. De te renouveler. Alléluia. Amen. Romains chapitre 4, verset 19, dit ceci. Elles sont faiblies dans la foi. Et quand on voit les chibinou, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Puisqu'il avait près de 100 ans, dès que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Est-ce qu'on parle de ça? Oui, c'est ça. Pour ne prendre que cet exemple-là, frère et sœur. Moi, tu n'as pas encore 90 ans. Tu n'as pas encore près de 100 ans. Alors, si l'Éternel, celui qui fait des prodiges, a fait des miracles sur des gens qui ont vraiment un âge très avancé, combien a plus votre raison dans la vie? Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu aies la foi. Que tu deviennes fils de Dieu. Que tu sois une personne qui croit comme Abraham a cru. Ne reste plus dans les doutes. Ou dans les moins c'est aimé. Quand on te parle quelque chose de lui, ne doute point s'il te plaît. Attends, vous serez là. Ça nous a appelé sur la zone. Vous pouvez aller s'intéresser les voix. Parce que quand
tu manifestes la crédité, c'est comme si tu es en train de rendre Dieu impuissant. C'est-à-dire que Dieu est incapable de faire quelque chose. Voilà pourquoi tout est bloqué ou bien ça ne marche pas. Mais si ce matin tu prends la décision de croire quand Dieu parle, d'accepter quand Dieu parle, ça marchera. Parce que la vie des frères, le juste vivra par la foi.